Yop les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Captain 34 et moi je vais super bien. On se retrouve pour l'ultime pack opening et en plus ça porte bien son mot, enfin son nom. Tout simplement parce que la TOTS ultime est présente, la TOTS IE, moi je l'appelle plutôt, enfin c'était anciennement IE. Je l'appelle plus, enfin je l'appelle comme ça moi personnellement. Donc est de sortie. On a eu, comme vous avez pu le voir, je pense, si vous avez vu la vidéo, si vous n'avez pas vu, on a eu dans la précédente vidéo nos meilleures récompenses, tout simplement carte rouge de l'année. Donc ça fait plaisir. Maintenant, on va essayer de faire le meilleur pack opening possible, je l'espère. On a 25 packs à s'ouvrir, des petits, des gros. Donc j'espère au moins avoir un TOTS dans ces packs là. Et voilà quoi, l'objectif ce serait d'arriver à 50 TOTS d'ici la fin des TOTS. Ici actuellement je suis à 45 TOTS il me semble. Donc il me manque 5 TOTS à packer. Sachant que apparemment dans les codes du jeu il y aurait 3 packs. Pas ultime, mais 3 packs genre PL, Bundes, Serie A, Ligue 1 et BBVA. Un show entre ces TOTS là. Donc voilà, on va dire qu'il faudrait que je pack 2 TOTS dans cette vidéo. Ce qui est possible. Oh là, l'orage. Il y a de l'orage quand je fais cette vidéo. Je ne sais pas si ça s'entend. Du coup, on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans la TOTS ultime. Donc TOTS ultime là, voilà. Voilà, nickel. Donc nous avons du Léo Messi, du Cristiano Ronaldo, du Lewandowski, du Mbappé, du Romelu Lukaku, du Jan Oblak, Kevin De Bruyne, Salah, Kane, Kimmich, Bruno, De Vrij, Bamba, Hernandez et João Cancelo. Donc dans cette équipe là, franchement, elle est terrible. Elle est vraiment très très bien. J'ai packé 3 joueurs déjà. J'ai packé Jan Oblak, j'ai packé Joshua Kimmich et j'ai packé João Cancelo. Les joueurs que je voudrais éviter de packer, il n'y en a qu'un. Le reste, je prends tout le monde. Ce serait De Vrij, clairement. Ce serait De Vrij, car clairement, je n'en ai aucune utilité. Si je le pack, à la limite il pourrait me servir, enfin si il pourrait me servir dans ma team full Hollande. Mais bon, j'aimerais autant éviter quoi. Mais bon, si je dois le packer, c'est pas grave. Je vais vous dire, je serais quand même content parce que c'est un TOTS de la TOTS ultime. De la TOTS IE, donc voilà. Ensuite, si on peut éviter Kimmich, Oblak, Cancelo, ce serait bien. Surtout Kimmich. Car lui, je ne compte pas le foutre dans un SBC. Le contraire de Oblak. Oblak, il va partir dans le premier TOTS garanti. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà. En plus de cette équipe-là, nous avons droit toujours à ces deux TOTS-là. Donc la TOTS MLS et la TOTS Reste du Monde. Donc si nous voyons du TOTS en animation, ce n'est pas forcément un TOTS de la TOTS ultime. C'est un peu dommage ça, mais bon. Voilà. On est parti. Boutique, 25 joueurs, enfin 25 packs plutôt. On va commencer par les petits packs. Parce que ici, je viens à l'instant de finir Kimpembe vraiment à la dernière seconde quasiment. Donc j'ai reçu des petits packs. Donc on est parti pour le best-of de ses meilleurs packs les amis. Animation, c'est pas du tot, c'est pas grave. Allez, donne-moi une bonne note. Allemand, MC, Toni Kroos. Ça va, c'est cool. C'est du Toni Kroos, c'est bien. Ça coûte quelques crédits. Et si jamais ça coûte plus trop de crédits, si le prix a baissé, c'est pas grave. Il partira dans un SBC. On va aller voir son prix actuellement. Il est de 27 500 crédits. Ok. Donc c'est toujours ça d'économiser.
Donc si jamais on chope rien du tout, allez, au moins on aura eu quelques joueurs comme ça avec des bonnes notes pour les foot dans les tots garantis, parce que comme je l'ai dit, il devrait y avoir 3 tots garantis durant cette semaine. Enfin, durant allez, cette semaine de tots ultime. Donc ça peut être intéressant d'avoir des bonnes notes. Et ben là, je l'attendais avec impatience cette animation, parce que j'ai dû ouvrir au moins 13 packs pour avoir une animation, quoi. J'ai quasiment ouvert tous les packs méga rares et j'ai quasiment eu aucune animation. Donc c'était un peu tristounet tout ça. Mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il cache derrière. Hein. Il peut cacher des bonnes notes derrière, hein, encore. Bon, j'ai des petits doutes, mais bon. Qu'est-ce qu'il cache? Il cache rien du tout. Il cache Correa et peut-être dans les doublons, mais ça m'étonnerait. Il cache Voland. Donc non. Animation, pas de tots. Allez, une bonne note. Oh, buteur? Ah, oh, mais non, il n'est pas buteur. Ah, buteur, c'est pas possible. Ah, dommage. 87. 87, c'est cool. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Enfin, c'est le réflexe. C'est le réflexe de dire buteur, parce qu'on veut d'office toujours le meilleur joueur, et le meilleur joueur en Pologne. En Pologne, c'est Lewandowski, quoi. Du coup, Szczęsny, combien tu coûtes, mon petit? Il vaut 20 000. Ça va. C'est toujours ça de prix. On va skipper, parce qu'on va pas attendre non plus indéfiniment. En espérant avoir de bonnes notes derrière. Oh oui! Oh, ils sont vendables en plus! Ah, c'est bien ça! Et nous avons la porte derrière. La porte qui, dès l'année prochaine, aura le drapeau espagnol au-dessus de son logo de Manchester City. Enfin, s'il reste à City. Donc, c'est un pack qui coûte. C'est un pack qui coûte 40K. Donc ça fait plaisir, on récupère 40 000 crédits, c'est good, franchement, ça fait plaisir. Bon, allez, c'est parti, j'ai géré les éléments, et de toute façon, on n'aura pas d'animation. Ah, si, on a l'animation, allez, s'il te plaît, Tots, s'il te plaît, yé. Mais va te faire foutre, mais va te faire foutre! Mais c'est du foutage de gueule, bordel de merde! Clairement, là, je suis dégoûté. Là, je suis dégoûté. Autant dans la dernière vidéo, c'était enfin, la meilleure de mes vidéos au niveau des récompenses Foot Champions. Autant là, c'est de la merde. Mais c'est incroyable, quoi. J'aurais même pas eu un TOTS. Même pas un TOTS de la TOTS MLS, de la TOTS Reste du Monde. Non, rien, nada, que dalle. Meilleur joueur de cette vidéo, Toni Kroos, 88 de notes. J'ai eu 2,87. Ouais, c'est cool. Non, mais on va où là? S'il vous plaît, quoi. On a ouvert 25 packs. Des packs à 100K, des packs à 45K, des packs à 55K, des packs à 35K. Et faut arrêter d'abuser. J'ai eu 5 animations, je pense, en 25 packs. Alors que c'est que des gros packs. Aucune animation TOTS. Par contre, il y a eu 2 animations troll de TOTS. Hein. C'est. Là, je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire, franchement, je suis désemparé là. Et je ne sais pas non plus comment la vidéo va se tourner, enfin comment je vais faire pour le montage de la vidéo, ce que je vais garder, ce que je vais mettre, car il y a quasiment rien à mettre. Je sais même pas si je vais sortir la vidéo tout de suite. Je pense que je vais attendre d'essayer d'avoir au moins du touch, quoi, parce que je peux quand même pas sortir une vidéo où ce que je me chope rien du tout, alors que c'est la TOTS ultime, quoi. Je sais pas. En tout cas, les amis, ici, je vais laisser. Enfin, je vais m'arrêter là.
pour aujourd'hui. Il y aura peut-être un bonus ou un truc qui va suivre, je n'en sais rien. Mais franchement, là, je suis vraiment dégoûté, quoi. Je suis vraiment dégoûté. On va aller faire le renfort TOTS Deluxe 90+. Donc, on va pas faire le renfort TOTS 88+ pour l'instant. Peut-être que je le ferai plus tard. Il me reste un jour et deux et 20 heures pour le faire. Donc, ça va, il y a le temps. Je vais me concentrer d'abord sur les TOTS garantis des grosses ligues. Et plus tard, je ferai peut-être ce TOTS-là. Mais bon, en tout cas, le défi est déjà fait. Il me reste plus qu'à le valider. Donc, on met Yano Black qu'on peut rechoper dans ce TOTS-là garanti. On met notre ami Mladenovic qu'on a packé deux fois. Et on met les petites notes à droite à gauche. Tout simplement que j'ai eu dans le pack opening. Donc on est parti, on valide le défi, d'abord le petit screen habituel, et nous validons le défi joueur TOTS majeur 90+. Alors jetons un petit coup d'œil sur ce qu'on peut avoir et ce qu'on ne peut pas avoir. Donc ce qui est bien, c'est que comme c'est un 90+, ça élimine quelques joueurs. Pour la TOTS Premier League, ça élimine Luxo et Fofana. Donc tout le reste, on peut avoir. Si on peut éviter de se choper des joueurs que j'ai déjà, ce serait bien. Pas vous mentir, donc Cancelo, Gundogan, y a qui d'autre que j'ai déjà? Sucette que j'ai déjà packé, et c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout. Ensuite, pour la TOTS Liga, ça retire Koundé, Marcos Llorente, donc, tout le reste, on peut avoir. J'ai pas packé beaucoup de Liga, hein, je vais pas vous le cacher, donc j'ai packé que Carrasco. Navas et c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'ai packé. Donc, franchement, la ligne du dessus, à part Oblak, enfin, il y a Oblak aussi. Mais à part Oblak, franchement, je prends largement. Donc, voilà, la Bundes. Ben là, je les ai quasiment tous packés. Donc, ça retire Bakou. Donc, le seul que j'ai pas, enfin, les seuls que j'ai pas packés, ce sont Lewandowski, Sancho, Haaland, Goretzka, Coman et Lacroix. Donc franchement, si c'est de la Bundes dans ce pack-là et que c'est un de ces joueurs-là, franchement, je serais super content. Parce que j'ai vraiment beaucoup de joueurs de Bundes dans mon club. Ensuite, la Serie A, ben, ça retire Skriniar et Berardi. Donc on pourra packer tout le reste. Pas vraiment intéressé par la Serie A, les... Il y a plus de joueurs moins intéressants pour moi. Donc, voilà. Et ensuite, la TOTS Ligue 1. Ben, ici, j'en ai quand même packé quelques-uns. Sans vraiment les rechercher à en avoir. J'ai packé Laborde, j'ai packé Paqueta, j'ai packé Yilmaz, j'ai packé André, Depay et Di Maria en carte rouge. Donc, voilà. Donc dans tous les cas, ce qu'on recherche, c'est un joueur qui me serait utile, un joueur avec une bonne note, ce serait sympathique. C'est possible, Bundesliga. Et voilà quoi. Allez, on est parti. Let's go. S'il vous plaît, faites-moi rêver. Le 46e TOTS, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un beau drapeau, un gros joueur italien, ça pue. Oh non, une signée. C'est une signée, ça va. Ça va, c'est une signée, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, en super sub là, franchement, ça peut être très très cool. C'est bon, je suis content. Quand j'ai vu l'italien, j'ai eu peur. Quand j'ai vu l'italien, j'ai eu peur. D'ailleurs, on pouvait avoir quoi d'autre en italien? Ben ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur des italiens qu'on pouvait avoir. C'est pas le seul. On pouvait avoir notre ami Donnarumma, que j'ai déjà packé. Donc, ouais, on a un joueur dans la liste du dessus en Serie A, donc c'est cool. Ouais, c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Insigne, c'est cool. Du coup, on va changer le compteur parce que maintenant on est à 46. Compteur de TOTS. Après, je sais pas si je vais l'utiliser vraiment ou si je vais le refoutre dans un SBC. Pas vous le cacher, je ne sais pas. On verra bien. Donc, 46e TOTS, ça fait plaisir. Un petit screen comme d'habitude. Combien il coûte? Il coûte 262 000 crédits. Ça va, c'est pas dégueu. Il a une belle carte.
Il a quoi au niveau des étoiles? 4 étoiles partout, ok, c'est cool. Niveau finition, ouais, ça c'est un peu moins bien. Après, c'est déjà ça. Il va être très agile. Ouais, franchement, à tester, pourquoi pas. J'aurais préféré un belge, pas vous le cacher. J'aurais préféré un belge en Serie A. Mais c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Le petit Insigne. Nous allons ouvrir 12 choix joueurs 80 plus, tout simplement parce que j'ai pas eu ce que je m'attendais d'avoir dans mes packs précédents. J'ai pas beaucoup de chance pour cette tot ultime, donc on va essayer de pousser cette chance au maximum et on va espérer avoir un tot ultime là-dedans. Donc voilà, j'espère qu'on aura du lourd. On est parti, on va faire ça à la volée directement. C'est parti, premier pack Manolas. Ok, le deuxième pack, ça va être. Si on peut avoir même ne fût-ce que un tot, ce serait bien. Ne fût-ce que un tot, peu importe lequel, on s'en fout. Ce serait bien sympathique. Trippier, il m'a fait peur le petit Trippier. Allez, ensuite on a quoi? On a. Oh, du Müller, ça c'est bien ça. On peut avoir des grosses notes. Hein. C'est vrai que ces packs-là, ils sont vraiment très intéressants. Hein. Si vous les avez pas fait, faites-les parce que franchement, c'est vraiment très intéressant. Je prends quand même le 83 doublon, c'est pas grave. On le foutra dans un SBC. On prend Ramsey. Je pense qu'on va refaire plusieurs séries hein, comme ça. Hein. Franchement, c'est cool ces packs-là. Il reste quand même cool. Bon, là, je vais quand même prendre de Ron. Ensuite, Boateng, on va prendre. Non, on va prendre Zahavi. Pas envie d'avoir des doublons plus à chaque fois. Acuna, lui, c'est un vendable. Donc on peut le prendre. Voilà. Ensuite. Ouh, Alexandro, ça c'est cool. Franchement, les grosses notes comme ça, je prends. Hein. Je prends parce que ce sont des joueurs qui pourront me servir pour plus tard. Matip, on prend en doublon, c'est invendable logiquement. Et le dernier. Ouais. Donc le dernier, on va prendre. Dubravka, on va le prendre. Et on va le foutre, et on va le foutre dans un SBC. C'est là-dessus, les amis, que cette vidéo se termine. Donc on n'aura pas eu beaucoup de chance. Mais bon. Je vais boucler cette vidéo là-dessus. Et ainsi, les prochains packs que j'aurai, je les aurai. Pour la vidéo récompense des tots ultimes, donc on fonctionnera ainsi. Donc franchement, je suis assez dégoûté du contenu que j'ai eu dans les packs pour la tots ultime. Donc franchement, je suis un peu déçu. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vous laisse là-dessus, les amis. Nous, on se retrouve très prochainement, tout simplement parce que je vais commencer à faire des vidéos pour l'euro. Donc il y aura une draft spéciale Euro qui va arriver prochainement. Il y aura une vidéo prédiction de l'Euro. Je vais faire des vidéos sur le thème de l'Euro qui va arriver. Donc ce n'est pas fini, malgré que Foot Champion va passer de côté pendant quelques temps. Le week-end prochain, je ne fais pas Foot Champion. Ça va me faire du bien. Ça va m'aérer un peu l'esprit. Car après avoir fait tous les futurs points depuis le début de l'année, là j'en peux plus. Il me faut de la nouveauté, il me faut d'autres jeux, il me faut des trucs fun. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ce que j'ai prévu va vous faire plaisir. Et donc nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Captain 34. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.